Parlons d'espoir, parlons de vie. Oui, car ce soir, nous sommes réunis. Il faut y croire, l'exemple est là. Car tous ensemble, nous sommes unis. L'Afrique qui s'ouvre. Parlons d'espoir, parlons de vie. Oui, car ce soir, nous sommes réunis. Il faut y croire, l'exemple est là. Car tous ensemble, nous sommes unis. Sans le vie. Mais je sais que l'espoir est un bien pour demain. C'est avec un grand honneur que je prends la parole en ma qualité de président fondateur de l'association La Dynamique Nouvelle pour souhaiter à tous ceux qui ont bien voulu prendre part à cette cérémonie d'inauguration de la passerelle Côte d'Azur Fort de l'Eau la plus cordiale des bienvenus. Comme le disait Isaac Newton, vous le savez bien que moi, mathématicien de son état, physicien à la fois astronome avant de mourir en 1727, il disait « Les hommes construisent trop de murs, mais pas assez de ponts. » Il vous souviendra ici, mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, encore comme hier, ce 20 juin 2015, lorsque le ministre Guy Bertrand Mapangu, à cette époque ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation, nous faisons l'honneur de répondre à notre invitation pour procéder à la pose de la première pierre de cette passerelle dans ce quartier et en cet endroit précis, en présence de M. Bernard Aperano, maire de la commune de Port-Gentil, il y a de cela bientôt 13 mois glissants. La construction de cette passerelle dans son état actuel était un engagement ferme pris solennellement par notre association à la demande des jeunes, à la demande des sages et notables du quartier. Plusieurs riverains, visiteurs et enfants ont failli laisser leur vie sur cette traversée du fait de l'état défectueux de l'ancienne passerelle. Il ne serait pas utile de rappeler au souvenir de tous ici présents que l'unique école conventionnelle du quartier se trouve de ce bord et la vieille passerelle était la seule voie de communication obligatoire. Je vous laisse donc apprécier le danger permanent que couraient nos enfants, tenus d'emprunter en moyenne 2 fois par jour. Cette école est là à côté. Des pères et des mères de famille ont été victimes de nombreux accidents graves et d'autres ont failli sur cette traversée pour ne citer que des fractures aux pieds et aux bras. Certains d'entre nous ici peuvent encore fraîchement se rappeler. C'est un souvenir noir. Mesdames et messieurs, relier les hommes, un acte d'unité et de cohésion sociale au service du plus grand nombre. C'est aussi cela que nous savons faire. Cet ouvrage intervient donc, je parle de cet ouvrage précis, donc comme un moyen
comme une lumière, comme une solution pour les populations riveraines, un aboutissement au désenclavement définitif des quartiers concernés, une voie de communication utile et agréable, un site quasi touristique, une manière de rendre cette partie de la ville plus accessible, plus fonctionnelle et plus belle. Et de ce fait, il est inutile pour ma part de réitérer ici combien je suis très heureux de partager avec vous ces beaux moments de chaleur, ces beaux moments de joie, qui sont également les instants historiques, à la fois pour les populations de ces quartiers, pour les adhérents confondus de notre association, que pour les invités qui ont bien voulu effectuer le déplacement. Conçu pour accueillir piétons et personnes handicapées, réalisé en matériaux modernes et naturels, elle ajoute à ces deux quartiers, au-delà du service rendu, ce brin de charme supplémentaire qui colle parfaitement à la belle vue du fait de sa proximité avec la mer. Cette passerelle, nous la voulons comme notre contribution en soutien à la politique du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, comme gravé dans sa politique le plan stratégique Gabon émergent, paix, développement et partage dans des quartiers sous-intégrés du pays, les quartiers appelés généralement les MAPAN. Je ne vous fais pas non plus un aveu, mesdames et messieurs, si je vous disais que l'ADN dédie solennellement cet ouvrage et soutient très fortement la politique du chef de l'État. Que soient ici remerciés particulièrement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet ouvrage que nous allons inaugurer tout à l'heure. En particulier les opérateurs économiques tels que la Caisse de dépôt et de consignation, la Caisse nationale de stabilisation et de péréquation, la société Gabon Oil Company, la direction générale des hydrocarbures et bien d'autres, pour ne citer que ceux-là, dont le coût total de leur contribution constitue 15% du coût global. Je souhaite solennellement remercier ici M. Franck Ibouili, représentant M. Eloi Zondo, conseiller politique du président de la République, deuxième porte-parole de la présidence de la République, qui nous a toujours soutenus très fortement et qui a effectué le déplacement pour cette cérémonie. Que serait cette cérémonie, mes frères et sœurs, si on venait à oublier M. Guy Bertrand Mapangu empêché, venu poser la première pierre qui s'est intégrée à cette initiative et devenir notre adhérent d'honneur. Nous lui traduisons toute notre reconnaissance. Je tiens solennellement à remercier M. Bernard Aperano, qui avait fait le déplacement lors de la pose de la première pierre de cette passerelle. Pierre symbole de M. Aperano qui a bien voulu effectuer. M. Aperano qui a bien voulu effectuer le déplacement lors de la pose de la première pierre de cette passerelle. M. Aperano qui est le symbole de son attachement à sa ville et à la recherche de solutions aux problèmes que rencontre la population de la commune de Port-Gentil. À la vice-présidente de l'association, la maire de la famille, affectueusement appelée Maman Annie, pour son énergie inépuisable, ses sages conseils, ses précieuses orientations tout au long de son projet jusqu'à son terme. Maman Annie, s'il vous plaît, venez ici que l'on vous voit solennellement.
en droit de Monsieur Jean-Claude Batienili, le maître d'œuvre de son équipe, tous membres de l'association ADN, lesquels ont cru en son projet en sacrifiant leur sueur, de leur temps, de leur énergie, en apportant leur expertise et leur savoir-faire à la réalisation de ce gigantesque ouvrage. Monsieur Balélinis, s'il vous plaît, venez ici présent pour qu'on vous voie. Que d'autres passerelles pourraient être réalisées dans la commune de Port-Gentil si les bonnes volontés veulent bien accompagner l'association La Dynamique Nouvelle. Je vous remercie. J'ai l'immense plaisir de prendre la parole à l'occasion de l'inauguration ce jour d'une passerelle au quartier Côte d'Azur dans le deuxième arrondissement de notre commune. Par cette occasion, je voudrais donc au nom du maire de la commune Empêché vous saluer et vous souhaiter une excellente bienvenue à Port-Gentil. La réalisation de cet ouvrage n'est autre que l'initiative de l'association Dynamique Nouvelle. Par son dynamisme et par son sens de la solidarité, une structure associative qui mérite bien son appellation. En effet, c'est sur la base du constat selon lequel les populations éprouvaient d'énormes difficultés à circuler à cet endroit, surtout par temps pluvieux, que Dynamique Nouvelle s'est résolue à construire cette passerelle. Cette structure associative, qui par le passé s'est déjà illustrée dans des œuvres de bienfaisance, vient par ce geste soulager et apporter du réconfort à nos concitoyens. La mairie salue cette démarche visant à améliorer les conditions de vie, notamment dans les quartiers sous-intégrés. Dans le même sens, l'opération d'adduction en eau potable que nous avons initiée depuis quelques temps ici est en cours d'achèvement. Ceci pour souligner toute l'importance que l'institution municipale attache au développement harmonieux de la commune. Développement qui passe par la matérialisation au niveau local de la vision portée par M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. La mairie voudra donc féliciter et remercier l'association Dynamique Nouvelle, partenaire au combat sans merci, que le gouvernement de la République et la mairie de Port-Gentil mène contre la précarité et toutes les formes d'exclusion. Nous souhaitons pérenniser ce partenariat et exauçons le vœu que cette relation suscite l'émulation, car la modernisation de notre cité est l'affaire de tous. C'est ensemble que nous devons donner un visage plus avenant à notre ville, désormais plus ouverte au monde et par ses nouvelles infrastructures routières, aéroportuaires et numériques. Je voudrais également demander à l'association Dynamique Nouvelle de ne point s'arrêter à cette belle passerelle, parce que si aujourd'hui les populations de Côte d'Azur et Fort de l'eau saluent cette initiative, d'autres populations qui vont suivre cet élément voudraient également voir l'association Dynamique Nouvelle s'intéresser à leur cas. Passer ces moments heureux sous la protection de Dieu Tout-Puissant, car c'est lui qui a permis qu'on se retrouve ce matin. Monsieur le Président de l'association, permettez-moi de prendre quelques instants pour parler de votre parrain Éloi Nzondo. Grand frère Serge, je peux ? Merci. Votre structure, combien d'autres, s'est tournée vers votre parrain, car sa disponibilité, son sens du partage et son inclinaison à la solidarité font de lui quelqu'un d'absolument à part et spécial.
Ses vertus et qualités sont pour lui des impératifs cardinaux. Il a fondé et forgé son parcours à l'écoute et au service des autres. C'est un sacerdoce qui guide sa vie tous les jours. Ainsi donc, pour l'homme politique qu'il est, c'est tout naturel qu'il intègre et fait sien le triptyque du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, j'ai cité « paix, développement et partage ». Vous avez pensé à votre frère pour achever la réalisation de votre projet. Et ce jour, la matérialisation est là, sous nos yeux. Je voudrais quand même préciser, grâce à l'implication du chef de l'État, par l'intermédiaire de quelques-uns de ses collaborateurs. Permettez-moi de vous féliciter en fait à nouveau pour la réalisation de cet ouvrage. Cette passerelle, près de 300 mètres, je peux conclure que c'est la plus longue dans le Gabon entier. Vraiment, soyez-en fiers, l'association ADN. Les habitants de Côte d'Azur et Fort de l'Eau, j'espère que vous en ferez bon usage. N'attendez pas que les gouvernants viennent entretenir ce chef-d'œuvre à votre place. Donc aujourd'hui, l'association vous passe le témoin. À vous de vous organiser pour maintenir cette passerelle dans ce bel état. Pour terminer mes propos, le conseiller politique par ma voix vous rassure de sa disponibilité à vous accompagner dans vos projets à venir. Je vous remercie.